Bonjour, je vais vous montrer sur ce micro tutoriel, un tout petit tutoriel, c'est des sessions de 2 à 4 minutes. Voilà, on va ferrailler là en fait. J'ai un dallage sur terre-plein. Je vous montre, hop, voilà, sous ce petit bâtiment, un petit bâtiment classique, genre maison individuelle, mais en sismique, j'ai un dallage sur terre-plein de 13 lié aux fondations, comme c'est autorisé par, dans la maison individuelle, où donc je vais mettre un ST50C, donc avec une maille carrée qui porte dans les deux sens, puisque c'est le minimum en ERP. C'est un ST50C et un dallage de 13. Et nous avons le droit de le lier aux fondations. Donc, je vous montre ça de suite. Hop. Alors, fonction. Nous allons aller dans ingénierie. D'abord, je vais changer de calque. Voilà, changer de calque. Ici, je vais passer dans, alors, bâtiment administratif. Donc, fondation, plancher, bas, rez-de-chaussée. Armature TS, hop, je le passe en calque actif pour que le ferraillage aille dessus, puisque je sépare, je ventile les ferraillages pour une souci de place et de performance du logiciel, car si on se retrouve avec tout le ferraillage est en fait des polygones avec des arêtes ou sont des tiges rondes représentées par des facettes, pardon, et plus on a de facettes sur le même calque, plus on diminue les performances du logiciel. Donc ici, je vais donc, maintenant que je suis sur le bon calque, en ingénierie, je sélectionne armature par treillis soudé et on va faire la répartition la plus basique, répartition entravée avec les treillis soudés. J'ai la distance en bas, je vais marquer 0,03 par exemple, ça va être l'enrobage, la distance à laquelle va se situer mon treillis de mon trait, de mon dessin. Donc hop, ok. Je vais me mettre ici. Alors je vais plutôt le passer 0,05, 5 cm. Je me mets au niveau de la planelle. Alors là, je vois que c'est pas bon, donc je fais moins 0,05. Hop, pour que mon treillis soit à l'intérieur. À l'intérieur, je vais donc jusqu'à l'autre planelle. Ok. Là, le treillis, ah, il me met inférieur. Je change le calque. Je vais le passer inférieur, supérieur, premier lit, en treillis soudé, tout court. Voilà. Donc, je suis là. Ok. Alors, ma dalle, elle fait donc de 13 plus 6 de réservation. Le bas de ma dalle est à moins 0,19, ce qui va me le placer dedans. Et ma dalle fait 0,13. Voilà. Le treillis soudé, je vais le passer à 4 cm de la face supérieure, 0,04, ce qui me laissera 9 cm en bas. Ok, ça c'est les bords, les largeurs d'appui, donc ce que je vous disais, l'enrobage, la largeur d'appui, si je veux créer des réservations, définir des réservations ou supprimer des réservations, c'est ici. Je clique sur OK. Là, je sélectionne mon treillis. Alors, j'ai des treillis que j'ai fabriqués, mais ça, c'est un treillis standard que l'on trouve dans le logiciel, le plan 2012-2013 ST50C. Voilà. Donc, ici, le décalage, là, d'abord, on peut l'inverser. D'accord. Si ça, je vais le pousser. Je vais voir, j'ai bien mes treillis décalés. Donc, ce qui, aux endroits où il y a les recouvrements, j'aurai donc 3 nappes superposées et non 4 parce qu'elles sont décalées. Car si je fais ça, on se retrouve ici, là, avec des niveaux de 4 nappes superposées. Donc là, on fait comme ça. Donc, on se retrouve avec uniquement 3 nappes superposées. Je vais inverser le sens du treillis. Donc là, au lieu de 90 degrés, je lui mets 0 degré. Comme ça, on est là. Contour polygonal non direction, ça c'est pour changer le trait, la visibilité quand on a plusieurs nappes de treillis pour en mettre une dans un sens et une dans l'autre.
Arrondir à taille des panneaux, non, ce n'est pas nécessaire. Le recouvrement, je l'ai corrigé car le logiciel mettait des recouvrements de 30 cm par défaut. Donc j'ai redéfini tous les treillis soudés en leur mettant un recouvrement standard, celui de la Dets. Voilà, voire un chouïa plus, parce que quand il me marque 38, je marque 40. Voilà, je clique sur OK. Et mon treillis, ça y est, a été modélisé. Si je vais dans ma vue 3D, je peux donc voir ce treillis qui est modélisé là. Voilà, ce treillis soudé qui passe donc juste au-dessus de mes tirants. Ce sont des butons ou tirants, hein, en sismique, c'est ce qui a été imposé par le bureau de contrôle. Voilà. Ok. Bon, mais j'espère que pour cette première fonction de base de ferraillage entravé de treillis, ça vous aidera. C'est pas aussi, c'est un peu plus lourd que sur Structural Detailing qui est un modèle 2D là sur Allplan, mais c'est vraiment modélisé, quantifié, on peut le modifier. Les treillis ont quelques bugs, mais bon, ça marche quand même. Quand on fait attention et qu'on a l'habitude, ça marche bien, même quand on en a beaucoup. Mais il faut pas oublier de bien ventiler, car ce sont des facettes. Si on se retrouve comme ça avec 1000 mètres carrés de treillis et de facettes sur le même calque, ça peut être chaud. Donc il faut le répartir par zone et tout. Voilà, au revoir.